C'est content de vous retrouver donc pour cette vidéo. Alors il y avait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo parce que avec Tidiane on était beaucoup occupés en fait hein. Donc on s'est occupé aussi parallèlement des billets pour la Casamance, les billets du bateau, et bonne nouvelle, on les a obtenus. Donc voilà, alors départ pour la Casamance le 14 et retour le 24 logiquement, donc on reste le 26, donc on reste 12 jours sur place. Mais tout ça, je vous l'expliquerai en détail dans les prochaines vidéos, puisque au fur et à mesure du périple, eh ben, vous nous suivrez tout simplement dans le parcours, d'accord? Tidiane, tu fais un petit coucou? Oui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu donc, des grandes surfaces, puisque ça, c'était promis. Donc je vais vous filmer 2-3 surfaces, enfin grandes surfaces qu'on a sur Sally. Et puis on essaiera d'interroger des boutiquiers, mais ce n'est pas chose évidente. Vous savez, quand je leur demande leur avis, et surtout lorsque je leur précise que je vais les filmer pour YouTube, etc., ils sont relativement réticents, en fait. Hein. Soit c'est une forme de timidité, ou alors, je dirais, une certaine discrétion dans leur manière de fonctionner. Donc voilà, bon, ça ne me surprend pas trop, hein. C'est propre à la culture locale. Donc on parlera de tout ça. En attendant, à tout de suite. Bah, on se dirige tranquillement vers le bureau. Alors aujourd'hui il fait vraiment chaud, hein. Il fait lourd. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? La regarde la caméra. La canicule. C'est la canicule. Ouais, c'est clair. Ouais. Quand je vois qu'en France ils parlent des chaleurs, mais là franchement il fait vraiment chaud. Alors vous voyez les routes, il y a un peu des flaques, etc. Parce qu'il a plu hier matin, mais ça n'a pas été une pluie abondante en fait. Hein. Et là, j'espère qu'il va repleuvoir sous peu, parce que comme ça, ça rafraîchira. Alors donc, vous avez vu, je vous ai filmé quelques petits supermarchés. Il y en a d'autres, hein. Il y a encore un autre Auchan à l'entrée de Sally, c'est-à-dire côté nord. Il est un peu plus grand. Et vous avez aussi un casino qui est dans le centre de Sally. Donc, vous voyez, il y a quelques années, on n'avait qu'un seul supermarché sur Sally. Et en un laps de temps assez court, je dirais sur 3-4 ans, voilà, ça s'est multiplié par 4, voire par 5. Donc, alors je ne vais pas me plaindre d'un côté, parce que c'est vrai que la concurrence, ça permet, je dirais, de faire baisser les prix. C'est-à-dire qu'on peut faire un comparatif des prix d'un supermarché à l'autre. Mais par contre, c'est vrai que la grosse polémique à l'heure actuelle, hein, c'est au niveau du Sénégal, c'est que beaucoup de boutiquiers, de commerçants, et aussi dans les marchés, ils se plaignent en fait d'avoir perdu de la clientèle parce que les gens maintenant achètent principalement, je parle d'Auchan, hein, mais ils achètent aussi dans d'autres supermarchés, parce qu'ils trouvent les prix beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus attractifs. Donc c'est la grosse polémique à l'heure actuelle. Il faut savoir aussi que Auchan est un groupe français. Donc le débat tombe un peu sur la souveraineté économique. Donc il y a des débats là-dessus, à savoir est-ce qu'il est, stratégique pour le Sénégal de laisser des groupes étrangers prendre des parts de marché importantes. Parce que c'est vrai que Auchan prend de grosses parts, sur le plan de la distribution alimentaire. Ils ont fait fort, hein. Ils ont acheté plus d'une... 20, je sais pas, enfin le chiffre, mais plus d'une dizaine de magasins qui sont répartis sur Dakar. Et là, rien qu'à Sally, ils ont déjà 2 supermarchés, plus un Mbour. Enfin voilà, ils ont fait fort et c'est pour ça que c'est eux qui attirent principalement, les critiques, les remarques à l'heure actuelle. D'accord? Donc là, on va aller voir un ou deux boutiquiers, on va essayer de les interroger. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est délicat parce que les gens sont plutôt réticents à parler. Donc on va quand même y aller, hein. C'est un boutiquier que je connais depuis de nombreuses années, qui est là, il s'appelle Barry. On lui demandera s'il veut bien donner son avis, savoir ce qu'il en pense. Et à côté de lui, il y a un Mauritanien. On va filmer un peu le Mauritanien, comme ça, ça vous permet de voir un petit peu le type de magasin qu'on retrouve ici dans les quartiers. D'accord? Allez, à tout de suite. À toutes. À toutes.
Voilà, donc là je suis avec Barry, donc vers mon bureau en fait. Alors il y a de la musique à côté parce qu'il y a l'hôtel donc Les Amaryllis. C'est un hôtel qui est situé juste à côté de la résidence et le week-end, ils réceptionnent soit des Dakarois ou alors ils font ce qu'on appelle ici des séminaires. Ça leur permet un petit peu, je dirais, de combler durant la période creuse, d'arriver un petit peu à remplir leur hôtel. L'inconvénient pour nous qui sommes à côté, c'est que pendant toute la journée, ben, on a le droit à la musique. Mais bon, c'est pas grave, on prend toujours ça avec la joie et la bonne humeur. Donc je suis avec Barry, qui est juste là. Assalamu alaikum Barry. Alaikum salam. Voilà, alors Barry, voilà, c'est un gars que je connais depuis des années. Donc il est commerçant ici. Tu vends quoi? Tu vends des fruits, des légumes? Fruits et légumes. Je suis moi sans fruits et légumes ici. Des fois, je libère dans la résidence. Ouais. Avant, il y avait un peu de clients. Tout le monde gagne. Il y a beaucoup de supermarchés. Ça plane. Tout le monde gagne. Il n'y a pas de problème. Mais depuis au sang, alors les uns perdent. Ça ne va pas du tout, vraiment, c'est pas contre ça, mais... C'est ce qu'on dit avec Barry, alors justement, avec Auchan, c'est vrai que Auchan a récupéré une grande part de la clientèle qui, en temps normal, venait s'approvisionner dans des petits stands comme ça. Alors, comme toujours, j'ai pour tradition, quand j'interroge soit des Sénégalais ou des Guinéens, etc. Je suis Sénégalais d'origine guinéenne. Voilà, donne ton numéro, Barry, comme c'est ça. C'est 77 572 89 75. Voilà, je répète, 77 572 89 75. Si vous venez sur Sali et que vous êtes vers plein sud, etc., vous pouvez appeler Barry. Il vous fournira en fruits, en légumes, voilà. Donc, vous n'hésitez pas et c'est quelqu'un de droit. Bien, Barry, on va aller voir un petit peu. Merci, c'est gentil. Alors là, je vais vous faire voir un petit peu la boutique du voisin. Donc, c'est un Mauritanien. Voilà, donc, voilà. Ça, c'est le type, alors j'enlève les lunettes, voilà, ça, c'est le type de magasin qu'on rencontre ici, donc à Sali ou au Sénégal. Hein. Vous voyez, donc c'est, vous trouvez de tout dedans. Vous pouvez acheter des cartes téléphoniques, où il y a de l'eau, il y a des cigarettes. Il fait même, tu fais aussi le change, oui. Il fait même le change euro-franc CFA. Voilà, donc c'est, voilà, c'est des boutiques qui sont ouvertes durant toute la journée. Les gens, ils sont ouverts 7 jours sur 7. Voilà, voilà, ce sont vraiment des gens qui sont travailleurs. Dis-moi, toi, tu viens d'où alors? De la Mauritanie. Mauritanie, oui. Mauritanie, ça fait combien de temps que tu es au Sénégal? 10 ans, presque. 10 ans. Bon, moi, ça fait 14, ça fait 10 ans, on est pratiquement arrivés pratiquement en même temps. Est-ce que toi, tu ressens, tu as une perte de clientèle depuis qu'il y a Auchan, les trucs comme ça? Oui. Ouais. Depuis le chat, là, c'est fini. C'est fini. Derrière. Vous voyez, donc c'est ça la grosse polémique actuellement au Sénégal, c'est ça. Est-ce que l'implantation d'Auchan n'a pas contribué à faire perdre aux boutiquiers des quartiers leur clientèle habituelle? Quand ils viennent ici, ils disent qu'elles changent, moins cher, on parle de ça. C'est ce qu'ils vous disent? Le maximum. Ouais. Au sein, ils doivent prendre le maximum. C'est mieux, comme ça équilibre à tout le monde. Alors que là, ils prennent vraiment des prix très très bas, c'est ça en fait? Voilà, ils prennent tout. Alors, ça ne va pas pour tout. Ça ne va pas. Et ça rend 10 000 personnes et ça attire 1 million de personnes. Je comprends. Ça ne va pas du tout. Ils prennent le maximum, c'est mieux. Je comprends. Bon, ben voilà, donc c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, donc avec Barry, avec l'ami mauritanien, et voilà. Et donc, comment ça, ton prénom? Salim. Voilà, donc je suis avec Salim dans sa boutique, vous voyez, donc bien approvisionné. Si vous êtes de passage dans Sali, vers plein sud, n'hésitez pas à les voir. C'est des gens bien, c'est des gens qui sont travailleurs et ils font honneur au Sénégal. Sur ce, à très bientôt. Les gars, dire des fois, choukran, et à la vraiment, prochaine. Merci. Super, et à la prochaine les gars. Merci, ciao. Ciao.